Alors, comment tu te sens? Un peu stressé. Il faut le faire. On est tous un peu stressés. On va chercher Vitaly à quelle heure? 8h30, on le récupère à 9h. Ça marche. C'est bon les gars, la voie est libre. On y va. Jean-Luc, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'ai l'impression de voir le bouger. Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme ça qui me payaient volontairement pour retourner plus tard. C'est pareil. T'as pas dû avoir beaucoup d'épaules ce genre. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur, tu vois. L'important, c'est de faire et d'aller. Eh hey, mec, tu veux pas que ça sonne là hein? Lève ton cul, va ouvrir. C'est comme ça qu'on gagne. Tu ne peux pas aller, je n'ai pas encore mangé. Tu la fermes et tu y vas, tu mangeras après. Mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Regarde ce qu'il y a à la porte là. C'est pour les pizzas! Ouais les gars, on a de la visite. Mettez tout de vos cagoules. Lazare, couloir de gauche. Vitaly, dans le salon. Attendez, moi aussi je vais devoir tuer. Thank you.
là. Stop, John. Il m'a sauvé la vie. Oui, John. Calme-toi. Cette pauvre âme avait l'air en difficulté. Tu as une dette envers le Seigneur à présent. Putain, mais qu'est-ce que tu veux ? Je pense que nos intérêts convergent, désormais. Et que vous allez accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Ne me faites pas croire que vous êtes juste tous les deux. Je sens votre odeur putride d'ici. Putain, c'est quoi ce bordel là ? Du calme, les mecs. Du calme. Vous pensiez vraiment que si j'avais voulu vous tuer, vous ne le sauriez pas déjà ? Que les sangs impurs sont naïfs. C'est ça, fais le malin. En attendant, on est quatre. T'es tout seul. J'ai sauvé ce petit déchet insignifiant! Vous le vouliez ou non, vous avez une dette envers le Seigneur. Fais gaffe à ce que tu fais!
ne sortirai pas de cette maison en un seul morceau, sans moi. Ok les mecs, baissez les armes. Mais qu'est-ce qui te prend, John ? Ça me plaît pas plus que vous, mais il a raison. Lazare, baisse ton flingue. Occupez-vous des corps et récupérez les armes. Lazare, écoute ce qu'il dit. Baisse ton arme. Alors, mon enfant, quelle est la suite du plan ? Je te préviens, si t'essayes de nous baiser mes potes et moi, je te fais la peau. Bref, ton nouvel ami. Ok. J'ai les résultats de la balle. Bien joué, Mallory. Putain, on les tient. Allô ? Cette fois, ils sont foutus. Qu'est-ce qui se passe ? On les tient, ces enculés. On va les arrêter. On se voit toujours ce soir ? Écoute, j'adore les moments qu'on passe ensemble. C'est magnifique. Mais je suis pas prêt. Pas maintenant. C'est clair, hein, c'est ça ? Je suis désolé, Mallory. On a leur adresse. Équipez-vous. Cette fille. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Putain, tu fais quoi ? Ma gueule ! Putain, qu'est-ce que tu fous ? T'as chapé qu'on devait pas lui faire confiance ! Putain, Butch, lâche-moi ! Fatigante cette enfant. On se calme. On reste calme. Passe-moi ton téléphone. Très aimable. Reste là. Bute-le. Bute-le. Vas-y, Jane, bute-le. Je crois que quelqu'un souhaite te parler. Lucas ? C'était qui ? Non, juste un ami. Thank you.
Ok les gars, on va se faire ça tranquillement. On va l'accueillir pépère. Je veux pas que ça ressemble à la fusillade qu'on a fait il y a 3 jours. Il y a peut-être des innocents dedans. On sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est compris? Putain, trop tard, il y a les flics. Paniquez pas. On passe au plan B. Mais ça marchera jamais. Voilà mon plan B. Lâche-la! Et il y a un otage, les gars, il y a un otage. Putain, merde! Personne ne bouge! Vous m'entendez? Lucas! Lucas, putain, j'ai dit personne ne bouge! Lucas? Est-ce que tu la vois? N'est-elle pas adorable, cette enfant? J'aime bien son odeur. Je me demande combien de temps elle va tenir. Si jamais tu la touches. T'en... Qu'est-ce que tu veux? Me divertir. Et prendre ta place. Je suis vraiment déçu, Butch. Qu'est-ce qu'il faut? J'en sais rien. Putain. Donne ton putain de flingue, John. Maintenant, je la bute! Admire le spectacle. On y va! Fais chier! On fait quoi? Je m'occupe de lui. Cassez-vous! Viens, petit mouton. Petit mouton. Calme-toi, attends, attends. Hein? Alors comme ça, vous avez voulu me baiser? Attends, je t'explique tout là. Attends. Déconne pas, bordel. Tu vas pas faire ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Laisse ton arme. J'ai un frère et une mère. Butch a tué ma sœur. Et vous allez tous en subir les conséquences. Non. À la maison, nous, la forêt. Putain, Lucas, qu'est-ce que tu fous? Lucas, pose ton arme. Pose. Bien. Plus calme. Regarde. Déconne pas, Lucas. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Recule. Tu veux m'arrêter? Recule. Eh ben, viens! Recule!
T'as pété les plombs ! Arrête, putain, arrête, t'es malade ! C'était toi ? Ça a toujours été toi. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons ! Vers la voiture, il nous rattrape. T'as pensé à laisser l'enregistrement? Ouais, j'espère qu'ils l'écouteront. Merde, ils arrivent! Fucking fair!
t'attendre. Ils l'ont tué, Ted. Faut se faire tous ces connards. C'est moi qui donne les consignes. On va tuer personne. Il y a déjà eu trop de morts. Si on les laisse vivre, qui sait combien de personnes ils vont pouvoir tuer. C'est un carnage. Regarde autour de toi. On a foiré. Appelle les renforts. Non. Je ne ferai pas ça. T'es en train de péter les plombs, mon gars. Fais ce que je te dis et appelle ces putains de renforts. Je viens juste m'assurer que les mecs me donnent un paquet de fric. Ethan, pose ce téléphone. Ils m'ont bien eu, ces petits connards. Et finalement, il en a dans le crâne, ce cher Lazare. Se retourner contre moi, dans ma maison. D'ailleurs, je me demande comment ils ont trouvé cet endroit. Tu travailles pour la mafia. Ils ont réussi à me corrompre. Cobain paye pour me trahir. T'as rien compris, Ethan. C'est moi qui contrôle tout. Tout s'explique. Tous ces moments où on te cherchait, tous ces moments d'absence. Tu nous as menti. On te faisait confiance, Lucas. Parce que tu croyais que j'étais ton pote. Je vous ai jamais aimé, d'ailleurs. Ça fait 5 ans que je vous mène en bateau. Et je me suis fait avoir comme un plot. Le meurtre du parrain de la mafia il y a 6 ans, c'était toi? C'était plus qu'un chef pour moi. C'était mon père. C'était mon putain de père. Et c'est pas moi qui l'ai tué. J'ai juste commandité son meurtre. Butch a pressé la détente. Ce même Butch qui a tué cette fille. Cette fille était ma sœur. Et maintenant elle est morte. Putain. Claire avait tout découvert. Et tu l'as fait tuer. Pour pas qu'on monte jusqu'à toi. Ouais. Et tu veux savoir? C'est moi qui l'ai tué. Alors, ça te fait quoi, Ethan? T'as envie de me buter? Et pas facile! Tire! Tu veux me loger une poêle dans le crâne? C'est fini de jouer aux gentils petits flics! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que je vais me laisser embarquer? Ferme ta gueule! Et mets ces menottes! Dieu! C'est terminé pour toi! Ton petit jeu s'arrête là, Lucas! Et je veux pas te tuer. C'est pas ce qu'elle voudrait. Ah, comme c'est mignon! Il veut pas me tuer parce que Claire lui interdirait! C'est pitoyable! Tu me déçois, Ethan. Vraiment. Mais je veux te faire une confidence. Elle s'est bien défendue, tu sais. Mais j'ai dû ser un peu trop fort. Et j'ai pu voir ce désespoir dans son regard. Et elle pensait sûrement que t'allais venir la sauver. Mais non! Toi, t'étais au poste. À faire ton flic de merde! Que tu aies son âme! Parle pas d'elle! Parle pas d'elle! Ah!
Je veux pas traîner ton corps de traître. Ah!
Lâche ton arme. Fini de courir. Toi, lâche ton arme. J'ai dit, lâche ton arme. Lazare, fais-moi plaisir. Bute ce fils de pute. Je suis là, tu vas par ici. John, laisse-moi te purifier. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Ici, derrière toi. Laisse-moi te montrer la voix du Seigneur. Oh, John. Par ici, John. Oh.
John, derrière toi, John. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. C'est à cause de lui, tout ça! Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Ferme-le! Ferme-le, arrête! Il essaie de s'enfuir par la forêt, je l'ai eu. Attends, écoute-moi. C'est lui qui est aux commandes de tout ça. C'est lui le chef! N'écoute pas ce que dit ce connard. C'est lui qui est aux commandes de tout ça, putain! Et il est où, Alexis? Lucas! Putain! Tu vas crever comme Alexis! Fine! Putain, tu nous as bien niqué! Monte dans la voiture, toi, dépêche-toi! Ah!
C'est John là-bas. Ralenti, ralenti. Vas-y, arrête-toi, je vais aller voir. Attends-moi là. John, bouge pas. C'est terminé. Elle est finie, Adjaval. Lève tes mains. Doucement. Je suis pas armé. On n'a plus le temps de jouer. Lève tes mains, John. Je vais sortir doucement mon téléphone de ma poche. Qu'est-ce que tu fais? Non, les mains bien en évidence. Arrête. John, arrête, merde. Bouge pas, je te dis. Je te préviens, je vais tirer. Fais pas ça. Arrête.